Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'un nouveau partenariat que j'ai obtenu. Donc, il y a un petit bout de temps, un site, donc une boutique en ligne pour, une boutique en ligne pour les passionnés de tout ce qui est prothésie angulaire, etc. Donc nail art, etc. Avait lancé donc avait mis un post donc sur Facebook afin de trouver des testeuses potentielles pour leur site pour leur faire de la promotion tout simplement et faire découvrir des produits que la plupart des personnes ne connaissent pas, même en étant dans le milieu de la prothésie. Il y a certaines marques tout simplement que je ne connaissais pas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, tous les articles. Donc je sais pas si je vais faire des vidéos vis-à-vis de chaque article, mais tous les articles seront donc sur mon blog. Il y en a déjà un, je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos, le lien de la boutique. Donc la boutique, il s'agit de Sexy Nail Shop. Voilà, donc il s'agit de cette boutique-ci. Donc il y a des paillettes, du gel, de la résine, des vernis à ongles, tout ce qui est capsules prédécorées ou des capsules naturelles, pinceaux, tout ce qui est liquide, donc liquide cleaner, etc. Des strass, il y a vraiment de tout dans ce site là et les prix sont hyper abordables quoi. Donc voilà. Donc je vais vous parler des produits que j'ai déjà testés. J'ai pas encore fait les articles, donc j'en ai fait un donc pour un vernis. J'ai pas encore fait les articles vraiment pour tous les articles. Il y en a que j'ai pas encore testé, mais ceux que j'ai testé, les articles sont en préparation, ils sont hors ligne pour le moment parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. Il y en a pas mal en ligne, donc quand ils vont tous sortir, vous allez avoir de la lecture. Donc je vais vous parler tout d'abord du vernis de la marque Nabi. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'est un vernis blanc mat. Il sèche extrêmement vite. Je sais pas si c'est du blanc sur du blanc, c'est pas facile à lire. J'arrive à pas lire ça. Il y a un site de cette marque là, donc c'est nabicosmetic.com. Je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc vous avez le lien normalement techniquement qui s'affiche ici. Donc c'est un vernis blanc, donc le vernis, donc c'est white matte, donc c'est le numéro 2. Les autres testeuses, je sais que Ondine a reçu un rose, je crois que c'est lila, mais je suis pas sûre. Enfin lila pour moi c'est plus violet, donc après c'est, mais un rose ou fuchsia, voilà, c'est rose fuchsia mat aussi avec des paillettes dedans. Il est sublime celui-ci. Moi j'ai reçu un blanc, donc je suis pas trop fanat du blanc étant donné que ça flash quand même pas mal et que le blanc généralement je le mets que pour les French. Donc à part si je me fais une French mat, ça servira je pense pour tout ce qui est peut-être pour les marbles, mais je suis même pas sûre. Je m'en servirai, mais je ne sais pas si pour mettre les petites paillettes caviar. Donc je ne sais pas où ils sont. Enfin pas les paillettes, les petites billes caviar. Je pense que ça pourrait être une bonne base. Après, il est super joli, il est mat. Donc je vous mets le lien de l'article en barre d'infos. Je ne vais pas vous le mettre là parce que je sais, vous ne pourrez pas cliquer de trop. Donc vous ne pourrez pas cliquer tout court de toute façon. Vu que c'est pas un lien YouTube, vous n'aurez pas accès. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous mets
tous les liens, il n'y a pas de souci. Donc c'est un, il sèche extrêmement vite, donc en même pas une minute il est sec. Il tient bien, mais bon, faut pas faire la vaisselle, etc. avec, parce que c'est vrai que de toute façon, comme tous les vernis, ils ont tendance à se barrer quand on fait la vaisselle. Je vous mettrai le prix en petite annotation parce que je ne me souviens plus du tout du prix. Ensuite, j'ai eu un vernis, donc c'est celui que je porte. Donc c'est un vernis, moi je le vois, les paillettes en fait sont dorées, mais à la caméra je suis pas sûre qu'on voie. Alors vous inquiétez pas, ici c'est pas que j'ai raté, hein, c'est que vu que mon ongle s'est cassé, j'ai dû le réparer et en fait on voit pas. Mais vous voyez, à la base il y a des petites paillettes dorées dedans, donc c'est la marque Profusion Nail Polish. Voilà, donc c'est un 12 ml et la teinte c'est le A6 Rusty Ginger. Donc celui-ci je l'ai mis, je l'ai déjà mis auparavant puisque je suis floue. Je l'ai déjà testé auparavant, je l'ai déjà mis, donc j'ai testé avant celui-ci. Il tient bien, il sèche vite aussi, un peu plus lentement que celui-ci, mais il sèche vite. Bon, moi j'ai mis deux couches, mais c'est parce que je suis pas... Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas douée pour le mettre, parce que celui-ci par contre c'est impec, c'est un peu le même pinceau que les Catrices, donc ils sont super bien. Après, celui-ci, il n'y a pas de site internet, ça vient du Vernon, du Vémon. Ouais, bref. Donc le prix, je pourrais pas vous dire, je ne sais plus. C'est pareil que pour celui-ci, c'est pareil que pour le blanc. Hein, il faut. Celui-ci, étant donné qu'il est brillant, vous pouvez vous permettre de mettre un top coat. Celui-ci, faut mettre une base, malheureusement, puisque il est mat à la base. Donc si on met un top coat, ça va faire brillant. C'est pas le but. Sinon on met du vernis blanc normal. Donc ce prix, celui-ci, je ne sais plus du tout son prix. Je vous mettrai toujours pareil en petite annotation son prix. Je vous mets le lien du vernis en barre d'infos. Je vais vous mettre tout le descriptif. Ensuite, j'ai eu donc des petites paillettes. Alors, il y a des petites étoiles bleues. Des petites... des étoiles fleurs. Je ne sais pas trop. Rose. Des petites étoiles orange. Ceci, les petits cœurs dorés, donc ça sera plus, je pense, pour Noël. Et les mêmes que les roses, mais en vert. Alors, j'ai testé, donc sur mon blog, j'ai mis celle-ci avec le vernis blanc. Malheureusement, vu que j'ai pas pu mettre de top coat, ils ont pas duré longtemps. J'avais eu aussi donc des stickers, donc j'en ai deux sortes, donc c'est les mêmes couleurs mais en petit et en grand. Donc il y a ceci, ils sont super jolis, c'est pareil, j'en avais mis, mais avec le sans top coat ça tient pas beaucoup. Et ceux-là, vous voyez, celui-ci il est pas encore ouvert. Comme vous avez pu le voir, il y a un code promo qui s'affiche dans toute la vidéo. Le code promo vous donne droit à moins 10%, je crois que c'est moins 10, moins 10% quel que soit le montant de la commande sur le site. Donc c'est un code promo exclusif pour mes abonnés et mes lectrices sur le blog. Donc si ça vous tente d'acheter quelques trucs sur le site, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, c'est fait pour ça. Ensuite, j'ai reçu un pouce cuticule en acier. Ça c'est pareil, je vous mettrai les prix, vous voyez, c'est un peu... Il y a un peu de tout dans ce site-là, c'est vraiment pour tout ce qui est prothésie et nail art.
Voilà, donc il est quand même assez grand. Le mien, j'en avais un en caoutchouc, je l'ai toujours d'ailleurs. Donc ça, je sais plus où je l'avais acheté, je crois que c'était sur eBay. Voilà, donc c'est un chouïa plus grand. Mais c'est quand même de meilleure qualité que du plastique en fait, parce que l'embout en caoutchouc, c'est pas top pour repousser les... Ça fait pas mal, certes, mais c'est pas top pour les repousser, donc... Un embout en acier, c'est quand même mieux quand on sait s'en servir, bien sûr, parce qu'il ne faut pas appuyer sur l'ongle, sinon vous risquez de l'abîmer. Surtout à la base, ce serait dommage. Donc pour ceci, je vous mettrai donc toujours pareil en lien et la petite annotation vis-à-vis du prix. Ensuite, j'ai reçu donc un gel monophase, donc ça je ne l'ai pas encore testé, donc de la marque Sexy Nail Shop. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc il y a la petite opercule, donc vous voyez, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert tout simplement parce que pour le moment j'ai les ongles longs et que je n'ai pas le temps de me faire des ongles en gel. Malgré tout, je vais essayer de me faire une petite déco pour vous faire un tuto avec. Donc je pense que je le mettrai juste en gel de finition pour tester un petit peu. Ensuite, donc ça, c'est pareil, je vous mettrai en annotation le prix et le lien en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Et pour finir, j'ai reçu donc des tips décorés. Donc malheureusement, pour le moment, j'ai des ongles longs, donc je ne pourrais pas les tester. Je vais ouvrir le plastique. Donc, je ne sais pas si vous verrez les dessins. Je vais peut-être vous en sortir un. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Donc je vais vous ouvrir. Et je crois que je suis en train de faire une connerie. Dans l'autre sens, bien sûr. Je vais tout faire tomber. C'est pas mal. Alors attendez, parce qu'il y a du scotch en plus. Pour vous dire que je ne l'ai vraiment pas ouvert. Hein. Je ne vois pas l'intérêt de l'ouvrir si je ne peux pas m'en servir. Donc je ne l'ai pas ouvert du tout. Voilà. Hop. Donc vous avez... en anglais, bien sûr, les instructions. Mais bon, c'est il faut nettoyer, enlever le c'est le protocole en fait. Hein. Mettre sur la moitié de l'ongle de la colle, etc. Donc peut-être que je me les poserai pour Noël parce que je les trouve super jolies. Ça fait une jolie déco, mais bon, c'est vrai que là pour le moment, sans les. Hop. Donc il y a une démarcation. Je sais pas si vous la verrez. Vous la voyez normalement, vous voyez. Juste là, il y a une démarcation. Donc c'est là où l'ongle doit s'arrêter à la base. Pour celles qui en posent, ils doivent le savoir. Donc j'ai reçu... Je vais essayer de vous montrer le dessin sans vous le faire tomber. Donc voilà, ils sont assez jolis. Ça fait une jolie French. Bon, malheureusement, avec du Amoni, c'est pas top. Mais ça ferait joli. Je pense, bon, faut choisir la bonne taille, bien évidemment, mais ça ferait super sympa. Donc je vais voir pour me les poser incessamment sous peu, mais ça faut que je range parce que toutes les tailles se sont mélangées. Donc c'est pas top. C'est ça quand on n'est pas doué. Donc j'ai reçu ça et je pense que c'est tout. Donc ça c'était pour mon partenariat avec le site donc Sexy Nail Shop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Donc je vous ai mis tous les liens des produits en barre d'infos et le lien original. Le code promo, je vous le mets en barre d'infos aussi au cas où il y a eu un bug vis-à-vis de Facebook, vis-à-vis de YouTube. Je vous le mets donc ici tout le long de la vidéo et ici en barre d'infos pour au cas où il y a eu un bug. Je mets tous les... Tout, donc à chaque fois que je teste un produit, ça sera sur mon blog, je pense, parce que ben, je peux pas... C'est mieux en photo qu'en vidéo. Donc il y a déjà pour le blanc, là, il va pas tarder à y avoir pour celui-ci. Et après, on verra pour les autres au fur et à mesure. Donc je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !